Un gros bonsoir pour nous toutes. Non pas c'est Yvan Sonfank, c'est un plaisir vous m'avec vous pour présenter au téléjournal là pour Asoya. On est ensemble un pic gros point cap dominer actualité. Mais grand titre pour Asoya, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole lacien, m'a dit 6 novembre l'an, un accord pour financer 20 projets agricoles dans le département SID pays. Mairie Pétionville apparaît pour lancer une opération nettoyage pendant 3 jours dans Pétionville. Opération ça a commencé 9 pour arriver 11 novembre. Cap Venila. Yon journée étude sous sociologie et miracle organisé dans la faculté de médecine pour bailler plus moun éléments pour comprendre qui ça miracle aille exactement. Plusieurs intervenants prennent la parole dans l'occasion. Actualité à Pilouin Lacaille après élection moitié mandat aux États-Unis qui déroulait à Yamadia, chambre représentant passé sous contrôle démocratio alors que Sénat rété dans main républicain. C'est point ça yo nous allons développer pour un petit moment rété branché Naptonet. Bienvenue dans le développement journal là. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole là. Si un mardi 6 novembre l'an, ils ont accord pour financer 20 projets dans le département SID PIA. À COSA, rentré dans le cadre d'un plan national investissement agricole qui visait relancer production nationale là à travers tout le pays. Ils ont contre-rendu Rachel Saint-Fort et André Chéry. 118 millions de gouttes, c'est quantité l'argent projet Sayo a coûté l'État haïtien, d'après le directeur départemental agricole Sidlam Anselin Aubourg. Responsable expliqué, organisation bénéficiaire sélectionnée à partir d'une compétition qui était faite à travers le projet renforcement service public agricole réciproque qui visait bougat de l'argent à technique à diverses organisations qui ont produit dans le secteur agricole. Là. Le premier groupe de critères qui était appliqué pour sélection. Organisation eux-mêmes, ou est-ce éligible, et puis deuxième série de critères qui étaient définis, qui étaient appliqués pour projet que OPRIO présentait. Et tout travail ça, c'est à travers table concertation agricole départementale là qu'elle fait. C'est d'ailleurs qu'ils sont partis dans le financement que le bail, environ 70%, et reste 30%, c'est OPR là qui a porté contribution par. Bois de l'agence a permis à l'organisation de construire ou soit réparer atelier que vous avez gagné déjà. Nous connaissons gagné qui a fonctionné, mais les conditions que vous avez fonctionné ne sont pas dignes d'une organisation qui devait lancer effectivement dans la commercialisation ou bien dans la production. Conscient de l'état ça, conscient de la faiblesse que l'organisation a été fait face à eux, le ministère de l'Agriculture était choisi pour lui. Aidez-nous à avancer. Financement, ça la permet à environ 1239 membres organisation. En dans 1239 membres, c'est peut-être 61% là-dedans, c'est femmes bénéficiaires qui ont bénéficié du projet directement. Et quantité de bénéficiaires indirects que le projet a lui-même pour aller accompagner, c'est peut-être 36 000 personnes qui se plantaient. Cap vendre produit récolte yo, ou voyez cap travail dans jardin yo, ou voyez qu'al travail dans atelier de transformation yo, marchand qui parle pour produire pour commercialiser yo et la trier. Activité cap réaliser yo, le tombé d'aplomb ak Gifort président République là, premier ministre là ak ministre agriculture a fait pour gen plus manger dans pays ya. Et puis fait plus l'argent rentrer dans poche acteur yo, surtout moun cap planter yo. Bénéficier engagé pour respecter tout principe pour entreprise marcher bien pour te offrir un avantage population. Je remercie tout acteur qui t'a supporté et puis accompagné yo. Siati ce projet ça yo a permettre nous joindre bourade l'argent pour mettre sous pied et puis renforcer différentes entreprises dans plusieurs communes dans département sud là. Nous mêmes femmes représentant OPR dans communauté dans comité gestion à comité directeur yo. Nous prenons engagement pour nous respecter tout principe pour faire entreprise bien marcher et puis pour être free pour bénéficiaires. D'après l'initiateur, les bénéficiaires travaillent dans plusieurs filières dans le respect des normes nutritionnelles et puis prennent en compte la participation des femmes et des garçons.
L'autre point dans l'actualité, mairie Pétionville annoncé mercredi 7 novembre une opération nettoyage pendant 3 journées qui a commencé 9 pour arriver 11 novembre qui a venu là. Dans l'occasion, magistrat principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, profiter expliquer quelques mesures pour protéger l'environnement avec la vie population. Un extrait dans le micro Élisère Colo avec Hervé Pierre. Nous lançons la question Pétionville propre là. C'est un gros mouvement qui pourrait permettre que, c'est vrai que nous passons pour faire à Mounio, mais il y a des battants clans qui ont été pour friseur, pour frigidaire et vieux fous qui ont été que nous pas de jambes qui ont débarrassé de eux. Donc nous profitons de l'occasion ça pour nous tout prendre. Mais nous pourrons continuer. Et là, nous travaillons sur un projet dans la fin d'année pour nous faire un quartier par Bibel. En façon pour nous faire un concours quartier pour nous stimuler tout le monde pour nous capable continuer à faire propreté. Il y a diverses mesures que nous allons prendre. Nous avons arrêté communal qui sont prêts là, mais on connaît le chemin pour le faire, pour nous écrire, pour nous voir la présidence, pour nous voir le ministère de justice. Donc nous avons fait tout le chemin, ça, de son façon. Et nous déraper là pour nous éradiquer la question Fatra pour finir une fois pour toutes. Surtout au niveau commune Pétionville. Machin, nous, effectivement, c'est gros producteur de Fatra. Et on rend compte que question Pétionville, question Fatra, en 2 fois, nous décrété la rue blanche. Mais malheureusement, nous n'avons pas de support nécessaire pour permettre que le Kembe. Fois ça, nous prenons pour nous lancer en 3e fois et laisser ça, c'est la dernière fois. Donc, nous travaillons là sur la construction marché Koukoyen pour nous plus d'espace pour que nous soyons capables de prendre plus de machin. Donc, là, on a pourtant notre titan toujours avant que nous retirions machin dans la rue. Mais on a été préoccupation première. Nous-mêmes au niveau conseil là parce que c'est une bagarre qui nous promettent lors de campagne nous et il faut que nous retirions machin nous là oui parce que pas aucune ville au monde qui est capable de fonctionner pour que pas de trop droit pour élèves passer pour que circulation machine pas capable faire correctement. Nous faisons un pile fort dans 4 levées Fatra. Nous levez, nous mettez. Donc nous travaillons sur les tout pour nous qui sont capables de déplacer des dépôts sages de l'autre côté pour nous servir des dépôts ou éliminer des dépôts qui sont dans l'ancien cimetière là. Ministère éducation nationale et formation professionnelle rappelé pour yon l'école publique avec nouveau salle classe tout neuf l'ouvri faut gain évaluation besoin avec ressources disponibles qui fait évaluation ça doit porter si anti responsable ministère dans un document officiel décision ça concerne tout niveau dans enseignement directeur départemental éducation yo doit veiller sous application mesisa d'après ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet. Centre entrepreneur et de leadership en Haïti, CEDEL Haïti, annoncé 7e forum yo, cap gain pour fête, sauti 13, pour arriver 17 novembre, cap Venila, responsable CEDEL Haïti, qui t'a participé dans mise au point mercredi 17 novembre l'an, fait qu'on est avec formation Sayo, participant yo, a gain pour capacité pour utiliser Fatra nan création richesse. En suivant extrait. Nous voulons faire un forum inclusif. Okay. Et inclusif, c'est-à-dire nous parler, par exemple, pour que le conseil de mon a besoin de venir pour limiter. C'est peut-être ça, en termes de prix, nous mettons à 1000 gouttes par jour. 1000 gouttes, d'abord, ce n'est pas même suffisant pour d'abord manger, parce que nous avons un petit déjeuner, nous avons un lunch. Ce n'est pas suffisant pour couvrir tout ça. Mais nous faisons l'autre choix en termes de. Deux priorités nous dit nous aller vers des sponsors pour couvrir courant mais pour nous permettre à des étudiants, des écoliers que eux-mêmes ont venu participer. Comment nous capable payer ou capable aller sur page Facebook c'est de l'Haïti hein, ou capable payer à travers Eventbrite, mais si on nous parle là sur internet parce que sur on n'a pas une data etc. Ou capable de contacter c'est de l'Haïti tout dans local nom Delma 73 rue Fougère numéro 20. Delma 73 rue Fougère numéro 20 ou bien numéro de téléphone 4620 95 94 ou bien email info@cdelhaiti.org. À travers contact ça nous sommes capables de connaître comment pour participer et m'a rappelé que même si on monde il parle présenté même s'il pas panéliste. Mais une activité comme ça, c'est une excellente opportunité de réseautage. À travers le réseautage, vous êtes capable de faire un paquet de bagailles. Moi-même, à Valesca, nous rencontrons juste parce que nous faisons réseautage dans une activité. Quand nous travaillons ensemble, et l'autre groupe nous a rencontré
par exemple à la Martinique, ils deviennent dans la même activité ça, nous travaillons ensemble. Donc c'est ça en vocation, événement comme ça, le forum de l'entrepreneurship des déchets à la richesse. Et forum dit tout, accès en, sous pas capable de venir directement, nous avons deux partenaires que nous travaillons avec eux qui acceptent pour yo retransmettre activité ça la caillou côté à gain public ou bien par exemple université Caribbean Université américaine de Caï. OK, Université américaine de Caï, n'a gagné Université Cap Haïtien, qui a fait cap retransmis au petit moun yo la caillou, étant donné que nous pas capable et pas tout monde qui en province capable venir, mais même si c'est pas tout monde dans nord ou bien dans sud capable garder forum ça sur télévision, yo même tout yo gen droit aller dans université ça yo dans un grand public, yo chita yo tande li et puis après yo capable faire propre séance de discussion par yo pour continuer penser avec solution ça. Donc c'est pour me dire capable pour me dire en gros que ou pas obligé venir dans forum nan seulement si ou loin, si ou pas ka déplacer, mais ou capable aller dans centre partenaire nous yo qui capable cap diffuser, cap transmettre nous en live forum ça. Qui tranche nous plus attend et comme participant Janio et en termes business en termes de panélistes d'intervenants, c'est surtout des entrepreneurs expérimentés, c'est eux même surtout cap. Pas pour participer. Oui, mais pour participer yo, nous ciblons en pile des jeunes, des universitaires. Il y a pas mal d'entre eux qui approchent nous, qui ont des idées ou commencent à travailler sur eux. Nous voulons que eux-mêmes soient capables de prendre idée, que eux-mêmes prennent un mouvement, ça fait un pas en plus avec lui. Donc c'est une raison qui fait que nous disons prions ces 1000 gouttes seulement pour que nous parlions. Si nous mettons en Amérique, on va le convertir. Ah là, t'as entendu, c'est compliqué. 1000 gouttes, c'est moins de, il va même $15 américains, donc on connaît. Un petit coup. Magistrat Kafoua, Jules-Edouard Pierre, bat explication sur 10 faits qui étaient éclatés dans le système informatique Meria, week-end 20 à 22 octobre passé. Magistrat Jules-Edouard Pierre fait qu'on est, tagain, yon main criminel qui cachait des actions ça. Dans ce sens-là, l'imandé autorité policière et judiciaire garantit sécurité la vie personnelle et locale Meria. Jules-Edouard Pierre a porté plus d'explications dans le micro Luné Jean-Louis et Jean-Naël Duverny. Depuis lundi 22 octobre, des incendies que yo mettez dans le département informatique Meria qui provoquaient un dysfonctionnement de l'administration et que nous avons fait la police te venir là, nous avons fait le tribunal de paix te venir là, la police scientifique te venir là, l'SPJ te venir là, te évaluer la situation et que je dis à et nous en position par rapport à l'information et qui concordait pour montrer que c'est un homme criminel qui t'a derrière incendie ça. Et Meria dysfonctionnel, son père de plus de $60,000 américains, un système informatique qui était là depuis 2011-2012 avec Maestra Yvon Jérôme, grâce à un support USAID local et local plus. Malheureusement, le système ça, je dis, lui parle encore, nous encore une fois, fait des pertes de biens publics. Jean Mounou a mis du feu tout côté et mis du feu dans le département informatique Meria. Son acte qui est politiquement motivé parce que c'est des informations qui ont circulé dans toute la rue que ils ont ciblé bien Meria, ont ciblé bâtiment administratif. Et information ça, et nous avons partagé avec la police depuis environ 7 mois, 8 mois de cet attentat. Des menaces qui a fait sur sur tous les réseaux sociaux, il y a des clairement identifié qui a fait menace sur vim comme magistrat dans la ville là et il a commencé à attaquer, je dis à bien l'État et bien Meria. Et parallèlement, dans la même soirée ça, tout ça me démettait comme affiche qui annonçait projet Meria fait sur route des rails, fermeture site là, et projet aménagement route des rails, projet caniveau n'a fait avec et président qui a mis Assad pour nos carrefours. Et bien tout affiche ça, il a crasé tout. Donc c'est des actes de sabotage et que nous demandons la police pour plus vigilant. Il y a un pile menace encore une fois c'est qui pendait sous tête Meria parce que depuis 2 ou 3 jours là, sur tout réseau, et mes tracts a circulé pour que les gens ont menacé pour venir mettre du feu dans le bâtiment, dans le reste du bâtiment Meria. Moi, je dis à la police, à la justice, que ont une responsabilité pour garantir la sécurité Meria avec nous comme magistrats. Donc la police doit être vigilante.
j'en commence à faire là pour continuer encore plus vigilante parce que menace à yo, et bien, moun yo généralement après un temps yo passé à l'action. Dans le cadre de la caravane changement, le ministère des Travaux publics, Transports et Communication a déjà commencé à construire caniveau et puis fait préparation pour déposer asphalte dans la zone Canassic à Côte-Plage 26, dans la commune Cafou, yon papier avec Falan Delphin et puis Wilson Idoré. Série de travail ça yo a réalisé dans le cadre de caravane changement. Ça va permettre moun dans la zone Canassic à Côte-Plage 26 circuler plus bien. Après chaque la pli, c'est une grosse difficulté pour moun fréquenter zone sa yo à cause la boue ak trou. Yon situation qui gen conséquence sur la vie élève l'école ak lot moun qui toujours fréquenter zone sa yo. Travail sa yo pral faciliter circulation moun ak bien et puis permettre connexion rio dans commune Kafou. Après rappeler, objectif chef l'état Jovenel Moïse c'est construire plus passer 4000 km route dans tout pays ya. L'autre information, dans le cadre du programme plan humanitaire retour volontaire gouvernement chilien mettait sous pied, dans la date 17 octobre passé, 176 compatriotes haïtiens qui étaient dans le pays Chili retournaient en Haïti mercredi 7 novembre l'an. Selon un responsable Gario, groupe cap appuyé rapatrié à réfugiés attire attention autorité l'État pour renforcer Office national migration. Ça va permettre compatriotes de bénéficier plus bon traitement, assistant communication avec plaidoyer dans Garland, Josué Michel, expliquer c'est 1080 Haïtiens qui n'ont programme le plan humanitaire retour volontaire. Un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paqui avec Henri Robert Chéri. Reconduction de 176 ressortissants haïtiens, c'est des migrants qui vivent dans plusieurs communes, avec ville la pays Chili, parmi les stations centrales, Kirikoula. Independencia à Santiago. Donc c'est dans différentes villes ça yo. Migrants ça ont à vivre. C'est des migrants qui décident de retourner à la caillou parce que ont à vivre dans la précarité. Il n'y a pas qu'à jouer un travail, nous connaissons que dans les conditions que le pays a, en plus là, ils ont pensé que et Chili, c'est Eldorado, malheureusement, leur arrivée est déçue. Donc, dans le cadre du plan humanitaire de retour volontaire, le gouvernement chilien mettait campé depuis 17 octobre 2018. Donc, il y a plusieurs migrants haïtiens qui étaient inscrits dans le plan Sahara. Sorti 17 octobre pour arriver 7 novembre, il y a 1084 ressortissants haïtiens qui sont inscrits dans le plan Sahara. Mais pas oublier, c'est un plan humanitaire de retour volontaire, entre guillemets. C'est une stratégie gouvernement chilien a utilisé pour lui faire migrants à retourner à la caillou. Parce que le nous considérer investiture nouveau. Président chilien Sébastien Piñera, qui après les fils pour investiture, il était annoncé que il pas mettre l'ordre dans la migration en général, la pays Chili. Maintenant, nous-mêmes, c'est un plan de retour volontaire, entre guillemets, parce que c'est une stratégie pour permettre à Issa de retourner à la caillou. Donc c'est l'ordre-là qui commence à mettre, j'en ai annoncé. Mais nous-mêmes, ce n'est pas un fait nouveau pour nous, parce que là, nous considérons en moyenne 3 à 4 000 migrants qui sont sortis en République dominicaine chaque mois, qui sont arrivés sous frontière-là. Donc dans tous les quatre points frontaliers officiels pays d'Haïti et avec l'autre point non officiel, c'est en moyenne 3 à 4 000 migrants qui arrivent sur nous chaque mois. Donc ce n'est pas un fait nouveau, mais sauf que ils sont éléments nouveaux, sont faits nouveaux pour pays Chili, bon, pour migrants, ça a sorti Chili. Donc c'est ça qui fait extrêmement important pour l'État haïtien, ONM surtout, t'a mobilisé ou bien pour le gouvernement renforcer ONM. Parce que ce n'est que le début. Donc c'est aujourd'hui là, il y a fini. Donc c'est tout. On va gagner des voyages en cascade. Parce que le gouvernement chilien déjà annoncé que c'est un voyage pilote. Ça veut dire, dans les jours à venir, dans les prochains mois, on va gagner d'autres ressortissants haïtiens qui rentrent. Sénateur Nord-Ouest, là, Ronald Larèche, a exprimé préoccupation liée sous situation insécurité. Dans ce sens, le parlementaire a lancé appel à l'autorité et la police pour prendre responsabilité. Un extrait dans le micro, Fedner Confident avec Michel Joseph.
1994-2004, tout ça encore, yo engendré, yo favorisé prolifération à ma fait dans quartier populaire et des politiciens utilisent mon zao à des fins politiques. À chaque fois où on est des périodes électorales, où on a des monde des candidats, tout aller dans quartier populaire et puis c'est mon zao utiliser les affaires rassemblement. Si à fond rassemblement sur champ de marché, utiliser si à faire manifestation, tout mobiliser, chef de gang zao utiliser à toutes fins utiles, c'est-à-dire que n'a toujours capable dans cette situation ça. C'est une préoccupation majeure actuellement là, c'est question insécurité. Côté gain des chefs de gang, ils ont certains annels qui lui-même cap défier la police, cap défier l'autorité de l'État. Parce que faut la police en lui-même 60 millions de gouttes qui c'est à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la police, CSPN qui gain comme ça dans main et Il n'y a pas investi dans l'enseignement dans le pays. Il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits pour que vous-même vous mettez un climat de sécurité dans le pays pour que l'institution vous-même fonctionne normalement. Une journée étude sous sociologie et miracle organisée dans la faculté de médecine pour bailler plus monde éléments pour comprendre qui ça miracle est exactement. Plusieurs intervenants et prend la parole dans l'occasion Stéphanie Schall et Henri Robert Chéry compte rendu. Questionner et puis penser sur quelques domaines en dedans université a bas éléments pour plus bien comprendre quelques thématiques. C'est dans ce sens ça responsable UEHO lance journée étude ça en baptême sociologie miracle. Vice-recteur UEH là et Wal Toussaint, quoi li important pour l'université à te questionner mon miracle là, li dit qu'il utilise presque chaque jour. En dans l'université, nous font bagay beaucoup plus rationnel. De tout discours qu'on y a dit dans la radio, il y a raconté, mais nous te dit bon, comme université, on nous vini avec spécialistes. Bon, pas seulement français, mais t'es bien l'autre spécialiste tout, et t'es bien professeur O'Donnell, puis à lui, t'es bien moi-même qui t'es cap réagi par rapport à ça, spécialiste Philippe Martin t'es dit. C'est là l'université l'abgardé pour le société, l'abgardé ça cap passé. Après ça, il lance une parole, il fait des propositions, il questionne, il fait mon penser. Je dis à nous, je vais faire mon penser sous miracle. Professeur histoire dans l'université Lyon de Lumière là, Philippe Martin, bay trois clés importantes pour connaître et puis comprendre ce qui a passé dans la société. D'après lui-même, miracle c'est une notion qui touche tout segment la vie dans la société. À l'heure actuelle, le miracle doit nous permettre de penser trois choses. La première chose, c'est pourquoi il y a des miracles. Et là, il faut bien considérer que c'est pas propre à Haïti, c'est pas propre à la situation actuelle. Il y a des miracles partout. L'homme, quel qu'il soit, en notre 21e siècle, où qu'il habite, de quelque religion qu'il soit, a besoin, a envie de croire qu'il y a des choses qui vont s'arranger, que Dieu interviendra, que la Providence est avec lui. La deuxième chose, c'est que quand on parle de miracle, bien évidemment, il ne s'agit pas de critiquer facilement, de dire c'est vrai, c'est faux, etc. Mais il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment, on parle de miracle, pourquoi la société a envie d'entendre qu'on parle de miracle, et de se poser enfin, et c'est le dernier point, la question, c'est quelle est l'utilité du miracle. Parce qu'il y a toujours une utilité pour les individus, pour le système politique, pour des acteurs religieux, voire des acteurs économiques. Miracle, ce n'est pas seulement une manifestation signature. Lycée tout yon preuve l'amour bon Dieu pour peuple li. Yon si visible de yon alliance d'après professeur histoire dans l'université Lyon de Lumière là, Philippe Martin. Nous allons observer deuxième pause dans le journal là, pas débranché, Naptonet. Actualité à poursuivre sur Télévision Nationale d'Haïti, Office Management et Ressources Humaines organisé dimanche 4 novembre un concours pour environ 300 jeunes ingénieurs et architectes. Activité ça qui déroulait dans le lycée Pétionville visé à appuyer municipalité pour travail dans le niveau IBANIS et aménagement territorial d'après coordonnateur général OMRH là, M. José Pierre Louis. Concours ça entré dans le cadre de mise en œuvre programme modernisation l'État. Compte rendu, Falande Delphin avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Épreuve ça réunit 300 jeunes femmes et garçons dans plusieurs salles dans le lycée, sous supervision représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale, là parmi eux, représentant droit monde, professeur université l'État, professeur dans le corps national ingénieur et architecte, représentant ministère conditions femmes, ministère travaux publics et ministère intérieur.
coordonnateur général OMRH là, Josué Pierre-Louis, qui t'a expliqué différentes phases et preuves. Fait qu'on est objectif là, c'est recruter 100 jeunes lauréats parmi 700 inscrits pour bailler aux formations pour appuyer collectivités territoriales qui d'après lui, c'est une nécessité. C'est une exigence de la Constitution qui veut que les postes dans la fonction publique, d'accord, ou bailleux sur la base de mérite, c'est la méritocratie. C'est dans ce sens-là, on a appris que depuis l'année dernière, nous commençons avec une série de concours. Là, nous avons organisé 4 concours au niveau national. Et je dis, et sous instruction du président de la République là, et premier ministre, nous avons recruté 100 jeunes ingénieurs et architectes pour nous former le corps d'ingénieurs et d'architectes qui pourraient aller en appui aux municipalités. Vous connaissez que Haïti était frappé d'un séisme dévastateur. Donc maintenant, les municipalités ont besoin pour gagner des ingénieurs, des architectes, des cadres qui parlent idéaux, qui parlent travail dans la question d'urbanisme, dans la question aménagement territoire. Et c'est dans ce sens-là que parmi tout concours que nous avons organisé pendant l'année, parce que nous avons 4 concours que nous allons organiser pendant l'année, exercice 2018-2019, et dont nous commençons par concours ça, et côté que nous avons 700 jeunes qui étaient inscrits dans la première phase là, qu'on a cette deuxième phase concours qu'a fait là, avec près de 300 jeunes, jeudi à, et côté que nous allons passer dans la troisième phase là, et là nous allons retenir 100 jeunes qui allons subir formation et qui pour intégrer le corps d'ingénieurs et d'architectes qui parlent travail et avec municipalité. Prochain concours national, il prévoit pour le mois de décembre qu'il vient là pour recruter un manager et directeur pour le ministère de l'Agriculture. Et puis dans le mois de janvier, pour permettre l'intégration sans jeunes femmes et garçons à mobilité réduite dans l'administration publique là. Magistrat Kafoua Jude Edouard Pierre déclaré magistrat yo pa dwe pèdi sou mandat yo pendant li fè konnen li déjà écrit conseil électoral provisoire ak divers autres institutions dans l'idée pour joindre un consensus sou mandat magistrat yo qui doit prendre fin dans l'année 2020 d'après ça le fait konnen. Yon extrait dans micro Luné Jean-Louis ak Jean-Naël Duvernay. Élection magistrat qui entré au mois de juin 2016 qui doit quitter mairie en juin 2020. Et c'est ça. Pour le dire, et nous avons déjà introduit, initié une démarche auprès du Conseil électoral. Nous avons déjà écrit président Sénat, nous avons déjà écrit président Chambre des députés, nous avons écrit président de la République, nous avons écrit Premier ministre pour nous demander, pour nous chita, pour nous chercher un consensus sur ça. Parce que même jeune toujours dit, nous solidaires eh bien, de l'accomplissement. Eh bien, du mandat du président de la République, nous solidaires de l'accomplissement du mandat des parlementaires de la République, nous sommes aussi plus que solidaires eh bien, du respect du mandat des maires de la République aussi. Donc, nous là pour 4 ans, nous avons fait 4 ans, l'élection a fait à temps. Pas qu'il y ait 11 jours, mairie en temps perdu pour assurer que vous régularisez organisation élection dans le pays, mais respecter mandat magistrat qui n'est pas une rentrée officielle, que nous demandons ça, mais c'est rentrée en juin 2016 ou après juin 2020. Parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol, s'allier ensemble engagement administration Moïse Séan prend pour améliorer conditions socio-économiques population. Responsable commission politique parasol la Pierre, lui, Toussaint, renouvelé solidarité, bail pouvoir en place là. Pendant les rappeler, craser le brisé, instabilité politique, pour mener pays à sur route changement. Pierre, lui, Toussaint, invité acteur politique au Chita Palais pour bon genre dialogue. Pierre, lui, Toussaint, t'es dans micro Midray, Milias ak Robert Chéri. N'ap salue la presse parlée, écrit ak télévisé. Nous, en tant que responsable commission politique dans Parasol, qui s'est patriote rassemblé pour sauver la caille, a félicité notre frère encore pour voir en place là. Pour toute décision y a pris dernier jour ça yo, pour en qui mesure qu'a créé un climat qui stable dans la société haïtienne par rapport à phénomène insécurité. Nous avons félicité le gouvernement ensemble avec l'exécutif pour volonté de montrer au gain de prendre décision pour faire lumière sur l'agent Petro-Caribé. Ça a montré que vous êtes à l'écoute de revendications masse peuple. Et nous-mêmes, en tant que parti politique qui croit dans l'état de droit, nous avons continué à demander
et puis encourager les responsables, si tout la justice, pour faire lumière sur l'agent Petro-Caribéa. Parce que c'est tout le pays qui est victime de ça qui est passé. Nous avons demandé à toutes les jeunes femmes, tous les jeunes garçons qui ont fait politique, qui soutiennent dans l'opposition, qui croient dans la constitution pays, qui sont les plus gros outils qui réglementent les règles démocratiques, pour porter une attention soutenue avec l'aide du groupe, mettez sous déclaration président Sénat République, qui souligne, tant que ça y est dans la constitution pays, tout élu, y compris président Jovenel Moïse, gagne un mandat constitutionnel. Quel que soit le monde qui t'a remis vin Azek, Kazek, délégué, magistrat, député, sénateur ou bien président, constitution by façon pour moun prend pouvoir. Et nous-mêmes, en tant que parti politique, nous défendons la constitution. Fonds assistance économique et sociale FAES a distribué lundi 5 octobre là 3000 plats chauds par citoyens qui vivent dans le village de Dieu. Une initiative habitants qui vivent dans la zone là en félicité pendant que vous souhaitez responsable continuer à accompagner. L'une est Jean-Louis avec Michel Joseph Abdinoplis dans le compte-rendu. Jean ça déjà fait dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine. Là. Habitants dans le village de Dieu recevoir lundi 5 novembre 3000 plats chauds à travers cantine mobile. Programme ça, administration Moïse Seyan mettait sous pied pour soulager les gens qui vivent dans le quartier populaire. Divers citoyens saluent l'initiative ça et profiter de remercier chef de l'État, Jovenel Moïse, qui pensait avec eux pendant quelques années, demander responsable continuer à venir en aide à mon village de Dieu. Yo. À côté de cantine mobile qui continue à bailler manger dans plusieurs zones dans la région métropolitaine, le gouvernement, par moyen ministère Affaires sociales et travail et puis Fonds assistance économique et sociale, déjà été disponible dans la région métropolitaine nan, 47 cantines populaires dans 4 programmes sociaux dans l'idée pour continuer à accompagner mon équipe faible. Nouveau moment pour nous prendre l'autre pause dans le journal là. Arrêtez branché, n'a pas tourné un petit moment. Nous retournons après pause là. Aïe m'a dit 6 novembre là, plusieurs citoyens américains sautis pour aller voter dans l'élection mi-mandat. L'élection s'est faite dans l'idée pour remplacer 435 députés, 36 sénateurs au niveau congrès, 36 gouverneurs avec magistrats dans diverses localités dans différents états. Fernando Estimé qui a participé dans l'émission 360 fait qu'on est haïtien qui a vécu dans le pays États-Unis qui a influencé l'élection Sayo, même gens en pilote nation Fell si arrivé organisé. En suivant un extrait. Même si c'est 1% haïtien seulement qui a gagné Floride, et d'ailleurs plus oui. Il t'a proposé ton paquet d'importance, d'ailleurs, il doit regarder comment il va aller. 1% crédit pour qu'on ait des gens qui donc haïtien, c'est pour organisation gain, vous mettez tête ensemble pour regarder comment vous capable influencer votre là. C'est pas pour y faire abolo de mouvement abolo de genre fait ici non, sous nos camps ou affichons dans tel camp. C'est pas soit prendre reprendre un petit groupe là chez vous trop petit. Non, gardez pour comment ca peser. Même gens vote cubain voté, votre cubain le peser en pile aux États-Unis. Votre Venezuela dans état ça crée les Floride là le peser en pile. Nous même nous concentrer dans 4 à 5 états. Nous concentrer en pile dans état New York. D'ailleurs, New York haïtien prend poids. L'homme où tu es dans le train New York, pour être écrit en créole. C'est-à-dire parce que vous reconnaissez grand pile haïtien dans New York. Mais il faut nous prendre poids politique, que poids démographique. Nous, nous gagnons. Il faut nous poids politique. Ça. État New Jersey, nous sommes parlés depuis Jersey City. Il y a tout les sexes qu'on tient grand pile haïtien. Il faut nous prendre poids politique. Là. Bob Menendez, nous sommes parlés, c'est petit Dominicain. C'est-à-dire pour qui il bat trop petit haïtien qui devient sénateur New Jersey. Bob Menendez en place depuis 2006, moi, quoi. Qu'on y a 2018, là, mais il est réélu encore. Qui donc il va le parti pour 6 ans encore. C'est Dominicain. Pas plus Dominicain New Jersey qui est haïtien. Qui donc petit Dominicain qui a élu, petit haïtien qui a élu tout. C'est nous-mêmes pour nous côté concentrer nous. Dans Massachusetts encore nous en pile. Notamment dans tout ça qui est lié avec région Boston. Tout ça qui est lié avec zone Avad là. Qui donc nous-mêmes nous en pile dans la zone. C'est pour nous mobiliser nous. Pour nous aller dans le sens, pour nous peser. Si Elisabeth ou Awen a pour avec nous, pour nous avec nous, nous connaissons nous là qui nous avons net. Mais il faut le passer payer à la caisse. Politique, pas même faire l'autre de l'autre côté non. L'on communauté mobilisée pour nous. Les gens qui ont des et politique là, c'est comme ça le fait aux États-Unis, c'est deal lié. Ou ap saisi, ou ap pouvoir voter budget aux États-Unis, ou bien voter en loi sous cause d'armement aux États-Unis, ou ap pouvoir marquer 150 grains pour Idaho, 500 camions pour Nevada. Parce que sénateur Nevada dit, m'a pas de nous n'a pas de cause Iran, moi pas de l'Iran, pas intéressé. C'est 500 camions besoin pour agriculer de la caille. Donc c'est deal qui a fait, c'est comme ça le projet au fait. Donc c'est nous qui pouvons être nous importants. New Jersey, Florida,
North Carolina, South Carolina un peu moins et Illinois qui donc état ça nous présent pour communauté où qu'on est mobilisé puis d'ailleurs tout on joue travail par rapport à grande que soit grande aux États-Unis haïtien gros mode de mouche côté me capable dit je travaille pour mal voter en plus qu'on y a gros bailler absentee ballot ou qu'à voter sont pas présents dans early vote ou voyez bulletin aller ou bien ou voter sur internet là ou voyez pas dossier ou voyez bon là aller qui donc ou pas besoin prendre prétexte pour perdre jour travail on joue travail par rapport millionnaire dans America c'est pour aller voter. Et leur vote tout le compte, et les hauts comptes, tu as obligé de venir avant. Parce que tu parles de quartier haïtien. Dans la zone haïtienne, tout le groupe a fait la déshérité. Et maintenant, c'est une commune qui a fait la déshérité dans New Jersey. Qui donc, si tu pas mobilisé, ou pas été tout valé, les politiciens ne sont pas avant pour avoir valeur. New York pas. A toujours été aux États-Unis dans le cas d'élection moitié mandat, chambre représentant passé sous contrôle démocratique mardi 6 novembre l'an, alors que le Sénat a arrêté dans les républicains. En suivre. Dans le pays États-Unis, le Parti démocrate a déjà crié victoire après l'élection mi-mandat qui déroulait mardi 6 novembre 2018. Là. D'après un dernier décompte, le Parti démocrate a pris contrôle chambre représentant avec 229 sièges contre 206 pour républicains. Le président américain Donald Trump félicite chef de file démocrate là, Nancy Pelosi, qui d'après estimation, a dû gagner l'élection mi-mandat dans la chambre. Devant ses portes dans Washington, Nancy Pelosi qualifie résultat démocrate dans l'élection comme une victoire historique pour équilibre pouvoir. Républicains au bon côté pas conservé contrôle dans le Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour démocrates. Élection pour premier tour présidentiel yo t'emmène en pays Madagascar mercredi 7 novembre l'an côté environ 10 millions malgaches ap gen pour départager 36 candidats parmi eux trois anciens présidents Marc Ravalo Mana qui était président sorti 2002 pour arriver 2009 André Rajoelina président sorti 2009 pour arriver 2014 bral affronté dans élection sa yo alors que dans l'année 2013 communauté internationale a été empêché yo présenter dans élection yo après violence politique 2009 yo qui était la cause de la mort yon centaine moun Eri Rajo Nari Mampianina l'ame a été fait président l'année 2014 candidat li même tout après le te remet démission dans l'année 2018 pour le TK présenté dans l'élection présidentielle yo si aucun candidat pas remporté élection présidentielle yo des candidats qui rivaient en tête yo bral dans deuxième tour 19 décembre cap vini là nous moment nous va regarder comment condition temps y est avec collaboratrice nous Nicole François Selom. Bonsoir à tous, avec un peu de plaisir, nous retrouvons aujourd'hui encore pour page météo qui j'en sais aujourd'hui en sous-région. Et bien nous allons aller rapidement pour nous voir qui j'en tant les comportés sous Caraïbes blancs et qui j'en n'appuie sous pays d'Haïti. C'est encore même scénario, c'est toujours un régime alizé très humide qui était dans la partie est Caraïbes blancs et avec un tropical qui continue à déplacer au niveau sud-bassin qui peut impacter le pays d'Haïti avec encore avec la pluie isolée. Mais le département qui a plus ciblé aujourd'hui, c'est surtout au niveau parti sud pays, en tant que sud-est, Gredos avec sud cap touché à plus activité la pluie qui est beaucoup plus important. Pour l'autre département, c'est des averses plutôt faibles qui sont capables de fréquenter en tant que nord avec nord-ouest pour assoyer. Pour après, avec les gens qui sont sous côté Lyon, c'était une journée toujours très ensoleillée avec quelques passages nuageux. Après-midi, encore, des choses même assoyant pour nous gagner un risque averses isolées dans la partie sud capitale. Température maximale n'a pas monté pire que 32 degrés Celsius, minimale la descente 23 ça va permettre de nous dormir avec un pile fraîcheur au niveau Port-au-Prince. Pour conditions maritimes, aujourd'hui, c'est toujours côte nord qui gagne des vagues qui montent jusqu'à 6 pieds. Et au niveau côte sud, l'entour, vagues commencent à monter pire jusqu'à 5 pieds. Là, au niveau de côte sa, on a demandé au capitaine pour être très très prudent, là, on va naviguer à soyant. Mais pour le golfe de la Gonave, c'est des vagues qui montent vraiment jusqu'à 4 pieds. Donc là, il y a un gros souci au niveau golfe de la Gonave. Pour le finir, aujourd'hui, dans le soleil a couché sous Port-au-Prince, aujourd'hui, c'est 5h14. Et il y a pleuvé demain matin à 5h52. C'est un gros plaisir pour nous déposer pour information ça aujourd'hui à notre page météo. Merci en pile pour attention. Nous passez une excellente soirée et nous rencontrer encore demain pour une autre page météo.
Mais quelques points nous avons développé pour dans le journal là, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, avec représentant plusieurs organisations dans le secteur agricole là, Sien, mardi 6 novembre, ils ont accord pour financer 20 projets agricoles dans le département site pays. Mais Pétionville apparaît pour lancer une opération nettoyage pendant 3 jours dans Pétionville. L'opération ça a commencé 9 pour arriver 11 novembre, Cap Venila. Yon journée étude sous sociologie MIRAC organisée dans la faculté médecine pour bailler plus monde éléments pour comprendre qui ça MIRAC là y est exactement. À plusieurs intervenants te prend la parole dans l'occasion. Actualité à Pilou en la caille après élection moitié mandat aux États-Unis qui déroulait à Yamadia, chambre représentant passé sous contrôle démocratio alors que Sénat arrêté dans main républicain. C'est là n'a mettez en bout dans journal là. Merci pour fidélité. Attention, bonne nuit tout le monde.